Lucky Shop, je suis pas chaud. Valar, vas-y go. Bah j'ai déjà bu deux cafés là. Hein. Normalement, je suis dans le flou pendant deux games, après ça va mieux. Je sais pas si j'ai vraiment envie de me gifler, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Les items qui sont très AD là. Ah. Ok, je crois qu'on prend ça. Je crois pas qu'on prenne. Le spoil prismatique, on a dit que c'était le pire. Le Guy, c'est très bien là. Ça, c'est cool aussi après. Le Guy, c'est très bien, on va jouer Vanquish. Bon, par contre, j'avoue que les games comme ça, zéro upgrade là, hein, bien relou. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, pourquoi j'ai fait 3 top 8 à la X-League mardi, mes games ressemblaient vachement à ça. Pas d'upgrade, pas de synergie en commun, vraiment des directions très 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 difficiles à trouver. Ça ressemblait vraiment beaucoup à ça. Hein. Et j'ai fait ça 3 games de suite, et les deux premières, j'ai vraiment joué à fond, 100%. Et la troisième, je me suis un peu découragé, j'ai fait top 8 parce que j'étais découragé. Mais c'était vraiment l'idée, c'était vraiment ça. Et ça, toute la game, c'est-à-dire je n'ai jamais d'upgrade, jamais d'item slama bien, je... Vraiment, toute la game. Voilà, globalement, c'était ça l'idée de la X-League. Donc là, réflexe que j'ai dans ces cas-là, j'aime bien faire de l'économie. Comme ça, au moins, il n'y a qu'une chose qui va dans mon sens. Mais après, ce qui s'est passé sur les 3 games, c'est que j'ai fait de l'économie parce que j'avais 0 upgrade. Et après, quand j'ai tenté de stabiliser, que ce soit en 3-2, 3-5 ou 4-1, j'ai vraiment rien eu, donc bon. Ouais. Bon alors là, c'est mieux que la X-League. Ça, c'est mieux que la X-League. Bon alors là, du coup, la thématique, c'est que Xayah et Nila portent extrêmement bien le Gangan. Je vais perdre, hein. Ah, je vais perdre. Hein. 5% du live. Ouais, 5% du live. Après, t'as tellement 1000 solutions pour ne pas les avoir, les pubs, que j'avoue que, bon. Est-ce que vous pensez que je level up pas et je fais des 3 étoiles grâce à Lucky Shop? C'est once per stage seulement, donc potentiellement, j'en ai pas pendant très longtemps. Parce que c'est fort, hein, 3 étoiles, ça, hein, avec les gangans radiants. On peut tenter, on peut ne pas level up et voir où ça nous amène. Franchement, go, pour l'instant. Parce que Jhin 3, c'est fort. H3, c'est fort. Après, H3, c'est fort surtout si elle a Yonia. Et c'est pas non plus une dinguerie, mais ça va. Le but dans cette map, c'est de push les levels pour choper des leges et épiques rapidement. C'est une des stratégies de la map, ouais. C'est pas le but de la map, attention. Si je prends 3 minutes de pause par heure, ça fait 24 minutes de perdu sur une journée de 8 heures. Qu'en pense mon patron? Après, t'es pas à 100% de productivité pendant toutes les heures où t'as au taf, hein, je pense. Petite pause pipi, petite pause clope, petite blabla devant la machine de café. On veut un gant? Fuck les patrons? Arrête, dis pas ça, moi je suis mon propre patron. Fuck moi, du coup? Fuck myself? I'm being fucked by myself? Nanana. Fuck les patrons, sauf Unid. Allez. Une lumière de réveil, on s'en va nous dominer. Est-ce que je level up et je pose Varvek? Oui, non, franchement. J'ai pas envie de reroll, je pense que c'est pas une bonne idée. J'ai gagné le fight d'avant, je joue normal maintenant. Regardez comment on est fort là, les gangans ils sont zinzin. Là on est vraiment balèze. Bon par contre j'ai 2 items Thunder, j'avoue. Je me rappelle de ça. La dernière fois j'ai joué Lucky Gloves dans la compo Vanky, j'avais trop d'items de Shred, à chaque fois ça me saoulait. Est-ce que l'augment des gangs, tu vas quand même mettre un gang sur ton carry? Est-ce que tu vas mettre un gang sur ton carry? Ouais, c'est possible. Oh là là, les gangans de zinzin les gangans. On va faire comme ça là, Irelia prend vraiment tout le monde, c'est là elle va caster en début de fight. Vous savez Irelia, il faut qu'elle prenne des dégâts hein, pour que son outil soit bien. Nice! Là, je perdais peut-être sans le snipe là. S'il te plaît, 3 gants, s'il te plaît. Je demande jamais rien à personne, d'accord? À part parfois, c'est vrai que je demande au chat s'ils ont pas un Twitch Prime qui traîne. À part ça, j'ai jamais rien demandé de ma vie. À part 3 gants sur ce PVE, pitié. Calux? Why, thank you. Pitié, 3 gants.
On vend tout ça. J'ai vraiment jamais de chance. Jamais, jamais. Jamais. Est-ce que je fais pas... Non mais des items de Thunder, je vais en avoir un milliard. On a dit des items tank pour lui, c'est trop fort de toute façon. Il est broken lui. Et ça on voit plus tard. Bah, ça c'est un gangrand de toute façon, on n'y touche pas. Endless Horde. Je trouve que c'est pas mal la compo Jhin dans ces matchups là. Parce que tu one-shot les tanks, les Taric et les Nico, tu sais, qui sont basés sur les boucliers. Alors qu'avec les autres compos, tu fais des petits dégâts par-ci par-là et du coup ils ont le temps de se régénérer à chaque fois, ça fait chier. C'est vraiment bien. Ah, il a pris Draven Prisma lui, il s'en bat les couilles. Oh putain, il était en streak. Le gift est vraiment bien sur Nila. Oh! Sentinelle, ça s'est fait buff ou pas? Oh, le winrate de fou! Je sais pas si ça s'est fait buff, mais en tout cas, Yonia c'est fort maintenant, donc... C'est 3.86 de winrate. Nani. Oh là là, les items sont vraiment bien renseignés, là. C'est un coup de manico mineur. Très intéressant. Donc ça, c'est... While in spirit form, your Ionias gain 10% attack speed and chill them from 15% of maximum health. And you gain 2 Ionias. Et j'ai gagné un 7 en plus, c'est vraiment bon. Du coup, le but, c'est vraiment de jouer Sionia avec ça. Parce que tu veux souvent avoir des procs. Non. Non. What the fuck? Oh, oh. Ça, c'est quand même les bons shops. Est-ce que tu joues des fois sans regarder les stats? Bien entendu. En fait, là, vient d'avoir un patch. J'ai pas lu tout le patch à 100%. Le patch est très grand. Donc je sais pas quels augments ont été détruits. Peut-être que cet augment là, il est éclaté. Alors que là sur le papier c'était... Dis donc. Là je suis pas loin hein. Ouais mais là c'est une Fiora gargantue machin là. Bon ça va, good loss. Ouais mais il y en a qui abusent un peu non? Faudrait pas qu'il abuse lui, faudrait pas qu'il dose pas suffisamment simplement. Quel plaisir d'être sur un stream fun parce qu'entendre PDB en fond chouiner toute l'après-midi, c'est blasant XD. Putain, mais ce jeu de merde, j'ai jamais de chance. Mais vas-y, ça casse les couilles, plus jamais jouer à ce jeu. Ouais, non, c'est bon, franchement. Hop là, Gangan. Troisième Gangan, mon pote. Troisième Gangan de poche. Ok, ça va sur Nila ou pas? Yuk. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Il nous faut encore chaîne extérieure pour avoir les Sionia. Mais là, les Lucky Shop ont vraiment bien réglé, ça fait plaisir. C'est vrai que PDB, je win pas mal. Jamais de ma vie, j'ai entendu PDB râler, vous abuser. Hein. Vous voulez que je vous dise un truc? Quand PDB râle, c'est vous qui l'inventez. Voilà. J'ose le dire. Tout le monde le sait, hein, mais je le dis. Je prends parole. You believe in the miracle. C'est une hallucination collective, exactement. PDB râle à la même cadence où Magarki fait des bons plays, fait des mauvais plays, pardon, c'est-à-dire jamais. Hallucination collective, bien entendu. Ça, c'est vraiment bien, hein, je peux pas l'enlever. Mais ça, par contre, c'est mieux que ça, je pense. Ah, frère, Karma 2, en vrai. C'est quoi le mieux? Une Karma... Franchement, c'est mieux ça, je pense. Il y a des gens super forts, le chat, j'ai peur. J'ai pas envie d'avoir peur. J'ai envie d'être serein. Ok, ça va. Il y avait un rogue qui faisait très très peur. C'est si rare des streams TFT sans chouinerie. Je sais pas, mec. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Je me demande si Seth est pas un meilleur tank que Shen, no joke. C'est une dinguerie, hein. C'est trop fort, cette. Tu vois comme site pour regarder les stats. Moi, j'utilise Meta TFT, mais franchement, n'importe lequel est viable. You believe in the miracle. Alors, qui me conteste? Non. 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 D'accord. Comment se sont passées tes vacances?
Parle de quoi la mouque? Parce que là je suis plus en vacances là. J'ai réservé par contre mes prochaines vacances hier, je les ai réservées. Hop. Ok, encore un gant, je suis heureux. C'est probablement mieux ça. Hein. Je pense qu'on reforge quelque chose. Mais je vais attendre l'augment. Mais il y a un truc qui se reforge là. Hein. Franchement, je suis... Ah mais non, mais la Swiss Pearl, le problème, c'est que c'est un gant. C'est Pandora, ouais. Mais du coup, je roll pas, non, je suis fort là. Ouais, par contre, les rocks, c'est vraiment le cauchemar. Par où la prochaine fois? À côté du zoo de Beauval. À côté de Tours. Je passerai à Tours, je pense. Unified, c'est trop bien. Hein. Attends. Ça marche? Le chat, ça marche? It's working? Dinguerie! Ok, big. Et je garde. Il va bien avec peut-être Shen. Regarde les deux compères là. C'est les gardiens. Les gardiens des portes du multiverse. Dinguerie. Et vous savez qu'il y a un autre gant qui arrive au carousel là. Hein. Ça va faire pas mal. Hein. Y'a moyen de taguer autre chose que des rogues ou pas là? Si vous me donnez encore des rogues à taguer, je vais chouiner. Hein. Je vais chouiner. Non, ça commence à être fatigant. Alors... En plus, elle est légendaire la musique. C'est bien. C'est très très bien. Attends. Bon. Oh, la brochette. Ok, gant, pitié. Oh. Ok, spatule, pitié. Ok. Ah, il y avait une Xayah baguette, c'est bien mieux. Je vais avoir une BF le chat, non? J'en ai pas encore eu une seule, je vais avoir une BF, c'est sûr. Les chances d'avoir une BF ici sont de 110%, je crois. Hein. C'est très 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 élevé. Hein. Ah, il me semble bien. Je crois que c'est vraiment très 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 élevé. Ouais, ça doit être ça. Hein. Why, thank you. Je lui aurais pas lui, hein, je rigolais. Hein. Lui non plus. Répouche. Bon alors on n'est pas du tout contest. Il y a 1 milliard de Fiora. Il y a 0 Xayah, 0 Nila. On va tout faire 3 étoiles en légende. Il y a une Xayah 2. Vous avez du mal voir. Vous avez du mal voir, j'ai regardé partout. Non, j'ai regardé absolument partout, il n'y en avait pas. Mensonge et calomnie sur ce live, malheureusement. Non, mais qui? Lui là? Non. Pas besoin de ça. Et donc cette Nila là, elle aura du vrai stuff. On va enlever Harry. Donc ça fait quoi? Ça fait
Ça fait Runan que ça. Parfait. Et ça me laisse un Morello, parfait. Magnifique ma chérie. Voilà, j'ai gagné. Game terminé. Vous pouvez remballer vos pipeaux et compagnie, ça m'intéresse pas. Remballez vos pipeaux là. Je pense que le Gangan de Horn il est mieux sur chaîne, non? Parce qu'il y a beaucoup d'items pourris. Rassurez elle le Morello. Ça peut aller sur Harim, mais Invoker c'est bien je pense. Nil A3 je suis tout nu. Ah ouais. Visiblement Nil A3 il est tout nu le chat. Wouah. Là je suis vraiment fort parce que lui il était balèze. Alors Orochimariol, je veux juste que tu fasses attention. Parce qu'actuellement, je sais pas pour quelle raison, mais t'es un monitor de suspicious user. Pour qu'il devienne un suspicious user, ça veut dire qu'il s'est fait ban. Et qu'avec la même adresse IP, il a recréé un compte. Ou alors que les modérateurs à la main l'ont mis dans une liste de suspicious user. À ma connaissance, c'est ça. Donc il a fait des dingueries, le mec. Il a fait des dingueries. Il est pas innocent. Bref. Bon là du coup ça garantit les Thunder. Là j'étais pas garanti. Est-ce que j'étais vraiment en chaîne 3? On est pas trop fort là. Attends what? Hein? Attends what? Je devrais pas être désagréable avec mes viewers, putain! Je le savais! Je le savais, je vais vraiment pas tenter chaîne 3, je pense. Karma 3, ça me parle presque après. Parce que là, je vais roll down pour Nil A3 et Karma 3, ça peut être intéressant. Après, du coup, le Emmerdinger, bah le Emmerdinger a vraiment très très peu d'intérêt, je pense là. J'ai déjà du shred, hein, donc il faudrait juste de l'hémorragie. Après, l'hémorragie, c'est pas mal. En fait, Emmerdinger, le truc, c'est beaucoup trop cher. Donc, je peux l'acheter. Ah, mais le mieux, c'est de faire 40. Pour augmenter les chances d'avoir Nil A3, c'est tout. Hein. Oh, les plumes sont parties alors qu'elle était morte, vous avez vu? Quand Nila. Si Nila passe 3, bah de toute façon, si Nila passe 3, la game est un peu gagnée. Et lui, il a 5 Fura. Et lui, il a 7 morts de Geyser. Mais lui, il se fait deny mort de Geyser par lui, mais après, lui, il va mourir. Même pas de Gangan, putain, j'ai jamais de chance! Attends, il y a de l'hémorragie là. Ah, mais il y en avait déjà! C'est bon, c'est pas sur la même personne. C'est pas sur la même personne. Bon, elle a vraiment des bons items là, la Nila. Tu peux pas avoir mieux que QSS sur un 3 étoiles. Comme ça, il n'y a pas d'accident avec le CC. Tous mes vêtements viennent de partir. Nila, Fura. Ah mais lui il est deux off de Mordre Kaiser, ça fait chier. Ah là il faut level up là, il faut level up 4 Jugger. 4 Jugger c'est big là. On peut faire Harry 2 over Karma et poser genre un... Il est... Ouais le Rise machin là il est bizarre avec son coffre. Il est one off, il est one off. S'il le trouve, je fais top 3. Ok, ça va. On gagne celle-là. Et après, je level up et je vais exploser l'autre. On va acheter ça. Oh non! Mais non! Je vois rien. C'est tout noir. Let's go. Ok, c'est bon. Non mais lui, il bat nous deux. Il a battu deux épiques, trois étoiles à la suite. Ok, nice. Y a une spade vanquish le chat là. Il est malin, il me la prend. Ouais. Bon, c'est bien, ça lui deny un item.
Ta merde, attends, j'ai pris un truc au hasard. Ok. Pas fucking RFC? Nasus, c'est très bien. La santé, ça peut être cool. Là, il y a deux aimers. Ah, le truc, c'est que l'hémorragie est trop bien. Là. Vas-y, go. Mais non, mais putain, mais l'hémorragie, on avait dit qu'on l'avait. On a Thunder et hémorragie. Arrête de faire n'importe quoi. Hein, allô. On va faire ça. On a tout, là, pour le MRNG, pas besoin. Ah ouais, il est one of the jar 23. Bon, là, j'ai 4 juggers, ça a quand même bien aidé, je pense. Mais cette fois, le Aatrox était bloqué sur le chêne, du coup, on l'a dépop. Ok, good, good, good. Il faut deny Jarvan. Jarvan. Nasus. Oh, le Morello RFC est bien sur Karma. Hein. J'essaie de mettre Nila vraiment devant son gros cluster de perso. Oh, il s'est trompé pour l'item radiant. Il est pas sur Fura. Il s'est trompé. Oh, le joueur américain ici qui fait une bêtise. Et il était one-up sur A3 et en fait il a pas eu le temps. Il a vendu des trucs, il a remis des trucs. Let's go! Let's go! Ah, elle était sympa la game.